C'est Yao Jenvier, on peut m'appeler docteur Yao aussi. C'est moi, aujourd'hui, je suis devant vous parce qu'il y a des gens qui entendent parler de moi, qui ne me connaissent pas comme ça. Donc aujourd'hui, je me présente comme ça à tout le monde entier, que c'est Yao Jenvier lui-même qui a arrêté là. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la nature, c'est pourquoi on embrousse ici. Je travaille avec les feuilles que vous voyez comme ça. Je prends pour travailler. En tout cas, tous les feuilles qui sont autour de moi, je prends pour travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis avec eux aujourd'hui ici. Les plantes même, les plantes sont bonnes parce que même les animaux qui sont en brousse, quand ils sont malades, c'est les feuilles qu'ils mangent. Donc toi-même, si tu as ta maison, tu as une cour, que tu plantes un arbre là-bas, vraiment c'est bon parce que ça dégage beaucoup de choses. Quand les plantes sont chez toi, la sorcellerie même ne peut pas trop rentrer là-bas. Donc ça évite beaucoup de choses. Il y a des plantes, quand ça est chez toi, serpent ne rentre pas chez toi. Les mauvaises personnes, même si on te lance quelque chose, ça va t'éviter ça. Donc tout cela, il faut connaître. Donc pour connaître, il faut appeler docteur Yao aussi. Parce que ce n'est pas tout, on peut montrer vis-à-vis comme ça. Les premières choses, c'est la consultation d'abord, parce que sans la consultation, tu ne peux pas savoir quel problème la personne a. Parce qu'il y a des problèmes même souvent qu'on en frotte, les gens viennent nous attaquer la nuit. Donc c'est pourquoi je consulte d'abord pour voir si c'est ce que je peux faire aussi. Si je regarde que je ne peux pas, je te dis que ah, vraiment je ne peux pas. C'est comme ça moi je travaille. Quand on fait tout le travail, c'est accompagné des plantes, accompagné des feuilles. On peut même écrire des trucs en arabe, mais accompagné des feuilles, c'est comme ça. Souvent même on peut prendre la terre comme ça même pour mettre en bas de canarie d'abord avant de mettre les feuilles dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Mais tout ça, c'est la consultation d'abord. Parce que moi, je n'ai pas besoin que tu sois à côté de moi. Tu peux être loin et tu m'envoies ton nom. Je fais la vision pour voir. Et puis, je vais savoir ce qui est là-bas. Parce que d'abord, même quand tu m'appelles, je regarde là où tu es là. Le problème que tu as là, c'est là que je vais t'expliquer. Toi-même, tu serais d'accord même avant que s'il y a travail, on va faire. Quand tu ne fais pas d'enfant, pour ne pas juger quelqu'un, il faut trouver la solution. C'est la solution qui est mieux. Parce que quand tu vas tuer quelqu'un, que c'est même là même, ça va devenir pire même. Donc il faut trouver la solution en bas. Donc c'est comme ça. Sinon, tout le monde est né pour faire enfant. Donc si tu vois qu'il n'y a pas d'enfant, c'est qu'il y a un problème. Il faut te regarder de l'autre côté aussi pour voir. Je consulte les hommes. C'est pas, parce que ce côté-là, ce n'est pas une seule personne qui a ce problème. Parce que le monsieur peut avoir ce problème ou bien madame peut avoir ce problème. Donc on fait les consultations pour voir les deux, là où se trouve le problème. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, il y a des gens qui ne sont pas garçons comme ça. C'est-à-dire que quand tu les vois, ils sont garçons comme ça, mais quand ils sont dans la maison, ils ne sont pas garçons. Tout cela aussi, je regarde. Si c'est simple, je vais te donner un médicament. Ça, même, je donne cadeau même. Mais si ce n'est pas simple, il y a des travaux comme ça. Parce que si ce n'est pas simple qu'on te donne un médicament, c'est comme par exemple le calebasse qui est là. Quand tu as renversé et puis tu mets l'eau là, ça ne rentre pas dedans. Donc, si j'ai consulté que c'est simple, je te donne un médicament comme ça, je dis va faire. Mais si ce n'est pas simple, je vais te montrer le travail qu'on va faire d'abord avant que je vais te donner le médicament. Parce que très souvent, même quand tu dis aux gens, on va faire ça, on va faire ce travail d'abord avant de donner le médicament, il y a d'autres qui pensent à autre chose. Or, souvent, on peut même envoyer le canari à la maison et puis ça va se casser. Souvent, tu envoies le médicament et puis les gens enlèvent la puissance du médicament dans le canari. C'est comme tu n'as rien fait. Donc, c'est pourquoi tout ce qu'on fait, nous, on fait des prières aussi. On fait le travail et puis on est accompagné par les prières. Je travaille aussi avec de l'eau aussi. Souvent, il y a des choses, c'est dans l'eau, on jette. Donc, je travaille à tous ces gens de trucs. Même les oiseaux, même qui sont là, il y a des jours comme ça, quand je rentre en brousse, ce qu'il dit, quand il pleure comme ça, je sais ce qu'il dit. Donc, tout cela, il faut être dedans pour connaître tout cela. Partout où tu es, tu peux, si tu me vois, tu peux m'appeler. Je suis à Abidjan, je pourrais. Souvent, les gens me déplacent. Quand tu es ici, que tu veux me voir, il faut m'appeler d'abord. Si je suis là, là, tu viens. Sinon, je suis à Yopougon, Yangon, à la base CUE. Je suis sur WhatsApp, Signal, Telegram. Vous pouvez m'appeler même directement avec mes mêmes numéros là. Donc, je suis connecté 24 heures sur 24. Tu m'appelles, tu peux m'envoyer les messages vocaux, les messages écrits. Ça dépend de la personne que tu vas m'appeler. Sinon, je reçois tout le monde. Tout le monde. Chrétiens, musulmans, tout le monde. Je dis aussi à tout le monde que la personne qui ne croit pas ce que je fais, pourquoi il va m'appeler, il n'a qu'à rester là-bas. Parce que tout ce, ça marche, tout travail là, ça marche sur vérité. Quand tu m'envoies l'argent, par exemple, on a payé un mouton, on a payé un poulet, et puis tu n'es pas content sur le travail, tu ne crois pas. Ça ne peut pas aller. Même je vais me mettre dans le canari pour toi, ça ne peut pas marcher. Donc quand tu ne crois pas, c'est mieux de rester là-bas. Tu vas là où tu crois là. Donc c'est ce que je veux dire à tout le monde.